Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nouvel épisode sur ce Let's Play avec évidemment maintenant ce qui est l'Empire. Et je vais faire peut-être quelques petits changements. C'est pour ça que j'aime pas déclarer des guerres à la fin des épisodes parce que j'aime bien réfléchir à la question entre deux épisodes. Et du coup, là, je regrette un peu, j'avoue, d'avoir attaqué la Lituanie. Bon, la Lituanie, ça va bien se passer en soi. Mais j'avais peut-être mieux à faire sur l'Amérique du Nord. On va regarder ça. La Lituanie, on doit pouvoir quasiment la faire disparaître d'un coup là, on va dire. On va voir ça. Mais le problème, c'est cette guerre. Ça se passe bien pour le Brésil, mais j'ai un peu peur parce que la Louisiane est vraiment grande. Hein. Ils sont là quoi, c'est assez impressionnant. Donc je me demande ce que ça peut donner sur la durée. Ah, le Canada là, le Canada impérial va déguster. En fait, les colonies vont disparaître. Alors ça, je déteste ce nouveau système, j'avoue, où on ne peut pas intervenir sur les guerres coloniales. Je trouve ça très très nul. Ce que je voulais faire peut-être, c'est créer un nouveau modèle. On va essayer de se faire un nouveau modèle par rapport aux navires. Je fais des flottes de 45, on va dire. 21, 6, 28. Du coup, ça fait peut-être un peu beaucoup là. Comme ça me semble pas mal. Alors, on va l'appeler 45. Et du coup, on va essayer de se baser sur ce modèle pour faire nos armées dorénavant. Là, il me manque du coup 5 navires de transport. Ça, c'est cool. Donc là, on est prêt pour. Ouais, c'est ça que je vais essayer de faire. Ouais, j'ai plus d'argent pour l'instant. Bon, on va. Alors, ce qui serait bien, c'est de s'occuper de ces armées en priorité, j'avoue. Si on pouvait régler leur sort, ils sont nombreux, mais je suis confiant. Peut-être venir avec celle-là. Là, on va pas avoir assez de leaders pour le coup. On va utiliser celui-là. Ok, donc au moins là, on va gagner. Alors, les conversions. Ouais, bon, ça, on peut continuer. Oh, j'ai bien une armée dans les parages là, non? Plus rien? Pff, que dalle? D'accord, ok, j'ai tout vidé. Forcément, j'ai tout utilisé là. Ok, celle-là, on n'en parle quasiment plus. Celle-là, on va quasiment plus en parler non plus. Ce serait bien qu'on aille gérer. Ça, on peut le laisser là. Oh, c'est quoi ça? Et ça c'est à nous d'intervenir là. Ah oui, c'est à nous ça. Et donc faut vraiment que je change de direction. Bon là c'est fait, mais faut que ça avance. On va prendre un leader. On va peut-être aller plus vite avec ça. Des forts, je vais continuer à en détruire. J'avoue que ça prend du temps, c'est pénible, mais c'est franchement nécessaire là pour le coup. On va supprimer tous ces doublons un peu pour dégager un peu plus de bénéfices encore. Bon, après des bénéfices, on va plus trop en avoir besoin rapidement là parce que pour le coup, on va se faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais voilà, comme ça, c'est un peu mieux déjà. Voilà, par exemple, ça sert à rien ça. Ça, je peux garder. Ça sert à rien. Ok, déjà c'est un peu mieux comme ça. Je suis là, voilà. Et peut-être qu'on continuera comme ça au fur et à mesure à en détruire quelques-uns. J'en avais 157 au début, je crois, c'est ça. J'en ai supprimé une petite moitié, on va dire. De toute façon, ça sert à rien. Il faudrait vraiment que les révoltes explosent juste dessus pour qu'à chaque fois ce soit intéressant. Donc, j'y crois moyennement. Ok, ça c'est cool.
Alors j'aimerais bien m'occuper de celle-là là. Ça dépend où il va après. Alors, ça, on s'en fiche. On va aller là. Alors on va être obligé de tout prendre pour nous, évidemment. C'en est fini des colonies ou quoi que ce soit. Donc ça va pas forcément être le côté le plus agréable. Je préfère les conversions. Non, on va lui courir après. Hein. J'ai pas envie de le laisser s'échapper. Bon, en l'occurrence, certains sièges vont quand même être très longs, je trouve. On n'a pas des armées très efficaces là. Je pense que c'est quoi ça? Et ça, c'est le problème en Amérique du Nord. Ça, j'aurais dû m'en occuper avant, j'avoue. J'espère que je vais pouvoir les sauver, ces provinces. Mes flottes sont pas arrivées. Ok, alors ce siège-là était rapide. Ouais, mes armées, il y a vraiment un gros problème sur mes armées, c'est qu'elles sont. J'ai pas d'artillerie, grosso modo. J'ai pas assez d'artillerie dans mes armées, donc il va falloir toutes les modifier, je pense. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais me placer ici, je vais utiliser ce modèle. Et les troupes en trop, on va les réunir là, au centre de l'Europe, peut-être, pourquoi pas. Ça, on s'en fout. Et donc là, par exemple, pareil, c'est complètement déséquilibré, à mon avis. Et à chaque fois, on va s'apercevoir que j'avais énormément d'infanterie. Alors, là, c'est beaucoup mieux. C'est bizarre. Je me rappelle plus. Est-ce que j'avais déjà décidé de faire ça? J'avoue que ça faisait quelques temps que j'avais pas tourné d'épisode, mais pourtant ça m'a semblé être une bonne idée là sur le moment, mais peut-être que c'est quelque chose que j'avais déjà décidé pour le coup. Peu importe. Ouais, ça vient une bataille de plus de gagner. C'est un peu chaud là quand même, on n'a pas forcément tout le moral qu'il nous faudrait. Ok, donc là on est arrivé. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en urgence. Ah, ils vont peut-être m'aider. Ce que je pense, moi, c'est qu'il faudrait que je déclare la guerre à la Louisiane, en fait. Ils ont combien de scores de guerre là? 28, c'est pas mal. Mais il y a déjà des troupes de Louisiane qui arrivent. Je crois que j'ai déclaré la guerre à la Louisiane, je m'en fiche. Je vais peut-être attendre d'être chez moi là entre guillemets sur ces provinces. On va voir. Est-ce que je vais prendre ça? Allez, faut qu'on refasse le siège là. Bon, ça c'est pas trop grave. Ça devrait gérer. On va faire juste un petit aller-retour. Ah, j'avais pas vu ça là. Pour le coup, on est assez loin là. Ok, du coup on va utiliser ça et eux ils peuvent aller là. Bon, il y a quelques sièges qui sont bien passés, ça a avancé plus vite que je ne le pensais. Donc de ce point de vue là c'est plutôt bien. Et là on arrive. Ok, j'espère qu'on va être là à temps. A priori oui. Ok, ça c'est bien, on reprend ça. On a potentiellement, on a vraiment beaucoup de troupes là. On va faire l'attaque, on va attaquer la Louisiane. Je sais pas, sa capitale est pas du tout ici, je crois, pour le coup. Il faut qu'on leur déclare la guerre. La capitale, grosso modo, elle va être au nord. Je sais pas. Elle va être par là. Là, pas. Ouais, c'est là. Donc ça devrait gérer. Là, faudrait qu'on essaye d'aller. Ouais. Faudrait qu'on empêche de faire ce genre de choses. Ça,
Ça, on pourrait aller là. Donc là-bas, je croyais qu'il allait gérer une révolte. Ouais. C'est parti. Ok, ça c'est une super nouvelle. Du coup, on va mettre le paquet, tant pis pour l'attrition, mais le but c'est de se débarrasser de cette guerre. Là, on va mettre le paquet ici. Ok, le but là, ça va être de se regrouper. Et on va essayer de les empêcher de reprendre les provinces. La science, c'est dans combien de temps? Dans 6 ans, donc je pense qu'on peut encore continuer là. On devrait avoir assez de points. Bon, le coup des missionnaires, c'est vraiment pas ce qui est le plus important ceci. Là, je vais attaquer très clairement, c'est le but. Je vais attaquer en marche forcée. Et on va essayer de voir si on peut pas. J'allais presque dire sauver le. Sauver les Brésiliens, même si je suis pas persuadé qu'ils aient besoin d'être sauvés vraiment. On va voir, mais. Si on regarde la carte, on pourrait croire comme ça qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés, mais. Je pense quand même que quand on voit là le nombre de troupes qui arrivent, ça pourrait être. Ça pourrait devenir ennuyeux, donc je préfère vraiment les sauver en quelque sorte. Ok, ça c'est good. Là, il n'y a pas de leader par exemple. Ça c'est plutôt good aussi. Donc là, j'espère qu'on va pas avoir de problème à débarquer comme ça. Là, on va aller là. Cette. Oh, tout le monde en veut au Canada quoi. Je crois qu'il va falloir que j'aille les sauver aussi. Ça fait beaucoup de monde à sauver après. Hein. On va pas pouvoir. Ok, alors stop. Là, je vais payer. Ah là, je vais être obligé de prendre le point. Donc là, le but, ce serait de le mettre dans le rouge. Le plus rapidement possible. Ok. Pour l'instant, il est dans le jaune, hein, mais ça va peut-être venir. Est-ce que j'avais détruit les forts? Ah, si, si, ça s'était fait. Ok, donc ça fait une armée de moins. On commence à avoir du mal là quand même. C'est bien, on a quand même mis deux en déroute, mais je sens que ça commence à être difficile. Ok. Ok, c'est quand même pas mal. Ah, ils m'attaquent là. J'espère que eux viennent m'aider. Je pense que oui. Est-ce que là, du coup. Ah, c'est bon, on a gagné. Ok. Bon, on a mis tout ce qu'il fallait en déroute. Je pense que maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est les empêcher de reprendre tous ces territoires. Eux, ils bougent pas, je sais pas pourquoi. Alors, on va essayer de les empêcher de reprendre tout ça. Là, il y a énormément de renforts, hein. Il nous manque 104 000 hommes. Je trouve que ça fait beaucoup. Là, il nous faudrait un commandant si on y va. Ouais, je suis pas sûr, on va pas y aller. Hein. Je sens pas bien là. Ok, alors ça c'est un poil pénible. Pour envoyer celui-là. C'est quoi toutes ces révoltes là, sérieux? Ok, donc ça, on va plutôt aller gérer les révoltes maintenant. J'avouerai que là, je pense que c'en est un peu fini des. Alors là, j'ai dans l'idée que. Ah merde, ça c'était pas voulu ça. Je suis pas un grand combattant sur la mer, j'avoue, donc c'est pas vraiment le genre de truc qui m'attire. J'espère que ça va bien se passer pour le coup. Ok, là je surveille. Donc là, c'est 45, c'est bon. 45, c'est bon. Ouais, je surveille un peu tout ce qui se passe là.
score de guerre, il est de combien? Et il est plus que de 10. Hein. Alors, stop, stop, stop. D'accord, donc ça c'est cool. Là, on va aller chercher ça. Je suis un peu inquiet parce que du coup, il y a encore 30 000 hommes ici. Et là, nous, on n'est plus que 20 000. On regagne pas assez de troupes en fait. On renforce pas assez. Est-ce que j'aurais pas. Vitesse de renforcement, ça pourrait être cool quand même. Ce que j'ai envie de supprimer, c'est les trucs qui pourraient être un peu plus inutiles comme. Les vassaux, on en a plus. Ça on peut garder. Ça sert à rien, il n'y a plus d'institution. Par contre on pourrait prendre ça. De ce côté là on pourrait prendre les impôts. On va essayer de prendre des choses un peu plus intéressantes. Celui-là ceci dit est pas mal aussi. Alors les impôts c'est pas ce qui va rapporter le plus très clairement, mais on peut quand même. Là on est en train de perdre des navires quoi. Bon, lui aussi, ceci dit, mais... Ouais, j'espère que... Je crois que j'ai pas perdu de transporteur. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir perdu beaucoup de navires, là. Là, ils sont 36 000 quand même. Ça fait un peu beaucoup. Et j'ai pas d'autres armées. Faut absolument qu'on ramène du monde. On va ramener celui-là. Là j'ai 30, non j'ai bientôt 45 navires, on va voir. Ça peut venir. Ça peut venir là. Bon grosso modo là on va être à 100%. Assez rapidement. Ça c'est bon. Ceux-là ils pourraient venir. J'ai besoin de monde là. Je crois qu'on va le faire venir là. Parce que là, il y a encore 75 000 hommes. Il faut qu'on... Là, on a plus que 26 000 hommes, alors que potentiellement, on en a plus de 60 000, je pense. Ok. Donc là, on devrait pouvoir avoir la paix. Tranquille. Première paix, déjà. On va leur manger tout ça. Ça aussi. Ça aussi. Je vais prendre toutes les revendications que j'ai pu faire. Ok, donc ça c'était les revendications que j'ai pu faire. On va essayer juste de monter à 50 par exemple. 50 c'est bien. On va prendre les réparations de guerre et on les achèvera un peu plus tard. On va pas faire plus. Voilà, là c'est clean. On va avoir le droit de détruire encore pas mal de forts. Ok. Donc là on n'a pas d'autre choix que de tout légitimer. J'ai pas assez de points, forcément. Merde. Bon, ça, c'est pas très grave. J'ai 52 000 cas. Donc là, ce qu'il va falloir commencer à faire, très clairement, c'est les grands projets. On va booster tout ça. Je vais faire le tour. Ça va me prendre un peu de temps, mais je pense que c'est intéressant. Ici... ouais, ça, c'est très intéressant, évidemment. Question revenu. Le commerce, c'est dorénavant ce qui nous rapporte le plus, donc ça, on va le monter au niveau 3. Ok, ça c'est cool. Ça, on peut pas le faire, définitivement. Ça... oui, c'est bien aussi. Ah, efficacité administrative, donc très clairement, je veux. Ok, ça c'est cool. Ici, c'est puissance commerciale totale. Effectif des marins, c'est moins intéressant déjà, mais je prends quand même. Ok. Ici. Ici, ça n'avance pas. Un coup en score de guerre contre d'autres religions. Ah, ça, je prends. Ah, non, mais ça, je prends doublement, en fait. Ok, et je relance. Et je rachète, en fait. Parce que ça, pour le coup, tout...
tous nos ennemis sont d'une autre religion, grosso modo, surtout quand on va aller vers l'Amérique du Nord, là. Donc là, ça va nous donner les meilleures possibilités sur le score de guerre. Ça, c'est 50 points de gouvernance. J'achète. On a toujours besoin. Là, c'est rien. On peut pas. Ça, c'est 10% sur les conseillers. Pourquoi pas? Ah, hop. Ok, on va lancer la nouvelle version. Alors ça, on peut pas. Tout comme là. Alors ça, je comprends pas. Faudrait peut-être qu'il soit. Faudrait peut-être qu'on les convertisse. Je vais voir. Je verrai à les convertir. Bon, ça c'est fait. Ça. Prestige, gain d'entraînement. Alors du coup, ça peut servir à faire nos trophées là. On va faire ça. On va lancer la suite. On n'a plus beaucoup d'argent. On va faire une pause là. Là, j'ai rien amélioré du tout ici. Et ça, pour l'unité religieuse, j'avoue que c'est pas mal. On va faire. Et on peut faire l'autre peut-être en attendant. Ah, ça, c'est très très fort quand même, hein. 20% d'impôts, j'achète. Ça viendra. Ok, donc ça m'a coûté bien cher. Mais de l'argent, on en a. Ok, donc c'est reparti. Ici, donc on se concentre sur ce siège. C'est bon. Ici, c'est bon. Et c'est là que ça va être un peu chaud. On va reprendre les territoires qu'on a perdus là. Ah ouais, il y a toutes les révoltes à gérer là. J'espère que ça va bien se passer. Ça, j'avoue que c'est un peu pénible, mais ça devrait le faire. Là, il y en a, j'en ai envoyé deux, c'est un peu le bazar. Là, du coup, on va un peu rentrer chez nous. Ça, je peux détruire. On va se mettre tout autour là. Et on va réorganiser ses armées. Ça, c'est les reliquats, on va les remettre là. Là, je sais pas pourquoi le dernier navire ne sort pas. J'avoue que c'est assez énervant. Il est pas prêt de sortir, ceci dit. Ici, on va, pareil, on va essayer de réorganiser tout ça. Ouais, encore de l'infanterie, hein. Définitivement, j'avais trop d'infanterie. Ça, on va le mettre dans le reliquat. Ça, encore trop d'infanterie. Ouais. Toutes les armées dont j'ai hérité là. Manquait cruellement d'artillerie, c'est pour ça que sur les sièges je suis très mauvais. Ok, ça c'est bon. Ok, encore de l'infanterie. Là, ça vaudrait le coup que j'améliore la province parce que du coup on peut pas rester. Alors, c'est très très long d'augmenter un maximum de ravitaillement, j'avoue. C'est quasiment impossible, ouais. On va rester à 34 pour l'instant, c'est pas grave. D'accord, donc là 32 000, c'est un peu mieux. Je pense qu'on peut commencer à aller se battre. C'est envisageable. Ça rame là. Ok, ce qui serait cool. Putain, 61 000 là, non, ça le fait pas. Ceux-là, ils vont rentrer en Europe. Faut qu'ils aillent chercher des renforts. On peut les faire aller là. Je surveille que la paix soit pas faite, mais j'ai l'impression que du coup, maintenant, ils vont plus lâcher l'affaire. Non, ça tombe bien. Du coup, on a toujours 98 000 de déficit. Hein. Ça ne s'améliore pas. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que là, pareil. Ah, je peux plus. Ah, j'ai pas, peut-être pas légitimé. Ah non, ils sont en mouvement, pardon. Ok, ça c'est bon. Ok, donc là, je vais au-devant de gros problèmes. C'est pour ça qu'il faut que j'amène plus de troupes. Ils sont nombreux.
38 000, ça devient pas mal. Mais je peux pas me faire 61 000 par exemple, ça me paraît un poil trop. Très clairement, ça me paraît un peu trop. Où en sont mes navires là? Il est là. Ok. On va attendre ces renforts là. Par contre, je peux me faire celui-là à la rigueur. Ah, on est remonté à 43 000, c'est pas mal. Ok, donc ça on peut diviser. Ceux-là, ils vont se réunir ici. J'ai 24 000 ducats déjà, ça va très très vite. Ouais, alors là, je pense que je peux attaquer en l'occurrence si vraiment je prends quelque chose de qualité. Hop. Ça devrait être jouable. Ouais, ça va être chaud quand même. Non, ça va aller. Ok, le but c'était vraiment de l'empêcher de reprendre son fort. Du coup, on va avancer un peu moins vite, on va rester là un peu sans rien faire. Histoire de se remettre. Alors là, ouais, là ça va pas bien se passer. Ça, je peux difficilement gagner ça quand même. Ouh. Alors on a perdu peut-être un peu plus de troupes. Moins de troupes que lui d'ailleurs. Un peu plus. Mais on a perdu quoi quand même. Mais les renforts arrivent. Ils doivent plus être très loin. Bah d'ailleurs, si, si, ils sont là. Quasiment. Ok. Ouais, c'est pareil, hein. Du coup, maintenant le déficit il est de 135. Forcément, ça s'aggrave. Ok, ça c'est bon. Ce que je peux faire, c'est marche forcée. Ok, donc tout ça, ça va s'empiler entre guillemets ici. Là, c'est pareil, hein. Faut que je le fasse. Ok, tout ça c'est de l'infanterie en trop, ouais. Ça on va les réunir. Ici à mon avis, même combat. 15 000 hommes de trop, ouais. Ok. Ça rame ou non, c'est moi qui ai pas lancé le temps, je sais pas. Non, ça rame, c'est tout. Ok, j'espère qu'ils vont pas fuir trop loin. Ah putain, ils sont nombreux quand même. Ils reviennent déjà avec 36 000 hommes. J'ai personne pour aider là. J'espère que j'ai bien fait de faire ça quand même, cette guerre. Ah, mes navires sont déjà arrivés. Du coup, je vais prendre... Ah, je vais prendre cette armée-là. Et j'espère arriver à temps. Ici. Ça, c'est bien. Là, je vais surveiller. On va rester ensemble. Ouais, c'est cool. C'est parfait. Ce que j'aimerais bien, c'est les empêcher là-bas. Score de guerre, il est de combien maintenant? Moins 2. Qui c'est qui a déclaré la guerre à qui, là, au juste? Guerre actuelle. C'est la Louisiane. Deuxième guerre coloniale. Alors, objectif de guerre, l'attaquant contrôle Guerrilla. Alors, c'est ça qu'il faut que je reprenne. Hein. C'est ça que je me posais. C'est celui-là. D'accord. Donc, on va plutôt travailler à reprendre ces provinces. Ce qui va nous permettre d'accumuler des points de victoire. Ok, donc ça c'est bon. Ici on va reprendre ça. Ah là je peux tout légitimer, j'avais un peu oublié. Donc là on peut se mettre là, là. Du coup j'ai fini aucune armée sauf celle-là. On va se faire celle-là. Ah j'ai 45 navires et là j'en ai combien? 30. Ah oui c'est bien ce qui me semblait. C'est pas grave, là j'en ai 44. On va aller là. Là, on va en prendre un. Qu'on va mettre là. Et eux, pour l'instant, ils vont aller là. C'est un peu compliqué.
Mais ça devrait fonctionner. Ok, donc on va s'empresser de reprendre Guiaria là pour que le Brésil se fasse des points. Là, ça se passe comment? Pour l'instant, il nous tourne autour, donc c'est bien. On va pas trop aller. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.